Dans cette capsule, nous allons achever l'écriture du cours de mathématiques à l'aide du langage LaTeX et, en l'occurrence, la fin de la démonstration que je vais vous montrer de suite, voilà, dans laquelle apparaissent quelques éléments qui vont être un petit peu nouveaux également. Là, nous allons avoir pour la première fois une matrice colonne en l'occurrence. Nous allons voir comment nous allons gérer les points de suspension. Là, on a également des points de suspension. On va voir qu'on ne va pas les gérer de la même manière que ces points de suspension qui ont besoin d'être alignés avec le bas des nombres des matrices. Et le R, comment obtenir le R, l'ensemble des réels. Alors, le code de la dernière fois, c'était celui-ci. Le code, nous ne voyons toujours pas, c'est celui-là. Donc là, j'ai besoin de rajouter le dernier élément, la dernière partie de la démonstration. Voilà, c'est une démonstration par l'absurde. Il y a encore, donc on cherche à démontrer que la proposition 1 implique la proposition 3. Bon, le contenu est réel, hein, mais ce n'est pas super important pour... aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut, on va commencer par les points de suspension. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait, la dernière fois, on avait utilisé ces dots afin que ce soit parfaitement aligné avec le bas des matrices. Mais là, il va être préférable d'utiliser L dots, je ne le vois plus, il est là, pour la première série. Alors, c'est celle-là. Celle-là, il est préférable d'avoir points de ce type-là, alors que pour l'équation suivante, là, voyez, on est dans du C-dots. Alors, je vous laisse tester pour que vous voyez la différence. Donc, là encore, des environnements d'équation qui permettent de les numéroter. Et le troisième type de point de suspension, alors je vais reparler bien entendu de cette ligne qui permet de créer une matrice, c'est V-dots, V comme vertical. Là, ça permet d'obtenir mes trois points de suspension verticaux. Voilà. Alors, je vais revenir justement à comment écrire à l'aide de LaTeX cette matrice. Alors, il y a plusieurs possibilités d'écrire des matrices suivant que vous désiriez les encadrer par des parenthèses, par des barres verticales, etc. Donc tout ça, c'est dans le package, AmSmat, qui est déjà appelé. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que ces trois packages-là étaient abondamment utiles en mathématiques. Donc souvent, vous pouviez les importer tous les trois de manière aveugle. Et donc, c'est ce package qui gère les matrices en particulier. Alors, il y a plusieurs environnements auxquels on peut faire appel. Alors, je retourne au nôtre. La matrice est appelée ici. Alors là, nous, on utilise l'environnement pmatrix qui permet d'avoir un visuel de matrice cerné par des parenthèses. Et vous voyez la syntaxe. Donc, le premier terme sera 0. Le second, il n'y en a pas, c'est les trois petits points. L'avant-dernier, c'est 0. Le dernier, c'est 1. Et je ferme mon environnement P-matrix, sachant que donc il y a des environnements B-matrix, V-matrix. Je vous laisse les tester ou regarder sur le net comment ça fonctionne. Le dernier élément de cette capsule, c'est la commande MathBB, alors qui, elle, fait partie du package, AMSFonts et donc permet d'avoir une écriture habituelle de nos ensembles de nombres. En l'occurrence, là, c'est R. Vous voyez là, l'accent circonflexe, ça permet de donner, d'écrire une puissance. Et là, en l'occurrence, ça nous permet d'écrire R. R puissance n qui est l'ensemble des matrices colonnes à n éléments.
Voilà, pas d'éléments autres que cela. Donc, nous allons nous quitter sur cette petite description. Je vous remercie. Ceci achève donc la totalité de la gestion du second exemple, c'est-à-dire de ce cours. Je vous le montre en entier quand même. Nous avons passé 5 vidéos dessus. Donc là, il y a le titre. Nous sommes le même jour que lors du premier enregistrement. L'énoncé d'un préambule, l'énoncé du théorème, la démonstration, et qui prend 2 pages environ, et l'annonce de la fin de la démonstration, la numérotation des pages. Voilà. Tout est fait et bien fait. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cet ensemble de vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un troisième exemple. Au revoir.